Alors là, encore une petite pépite. J'espère que ce sujet va vous passionner, tout simplement. Et là, j'attends vraiment vos réactions. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexsgo.fr où je référence tout le meilleur matos. C'est une question qui revient très souvent, notamment grâce à l'explosion un petit peu de l'e-sport, j'ai envie de dire, et de jeunes jeux comme Fortnite, comme Rocket League et d'autres jeux. Et on dit que l'âge est important. J'ai très souvent vu des tweets de joueurs pro de Fortnite que je connais disant que, par exemple, la vieillesse était un facteur très très déterminant sur leur jeu. Et je suis totalement, mais alors totalement pas d'accord sur CSGO. Je dis pas d'accord sur l'ensemble de l'e-sport, mais au moins pas d'accord sur CSGO. CSGO, c'est un peu comme du bon vin, tu vois. Plus tu vieillis, mieux tu joues en fait. Plus tu mûris, plus tu as d'expérience, plus tu peux anticiper, plus tu es calme, moins tu paniques, plus tu as vu de situations compliquées et donc tu sais t'adapter. Et on peut voir, notamment grâce à ce graphique, qui me plaît pas parce que il a été tourné, on va dire qu'il y a quand même, sur le camembert, il y a quand même un gros 50-50 de joueurs rookie young et expérience vétéran. Moi, j'aimerais prendre les young et les mettre également dans les expérimentés et dans les vétérans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les young players qui ont entre 20 et 22 ans, comme vous pouvez le voir dans le graphique, 22 ans, c'est quand même très vieux pour Fortnite. C'est quand même très vieux pour Rocket League. Alors que pour CSGO, c'est jeune. Vous comprenez ce que je veux dire ? 22 ans, t'es pas jeune. Tu vois, pour moi, jeune, c'est entre 13 et 16, 18 ans. Quoi. Pour moi, c'est ça, jeune. Dès que tu dépasses un petit peu ça, tu commences à mûrir, etc. Et il ne faut pas oublier non plus que 22 ans sur CSGO, ou 19, ou 20, ou 21, c'est pas des gens qui ont découvert CSGO les 6 derniers mois. C'est forcément des gens qui ont des milliers d'heures de jeu avant ça, et donc ils étaient dans une phase de formation, hein, ils s'auto-formaient, hein, c'était pas forcément directement dans le milieu professionnel, mais ils sont passés par le sub-top, etc. Il y a tout le temps eu un échelon à respecter. Et donc c'était des joueurs qui quand même jouaient à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, pas à haut niveau, mais de manière professionnalisée. Donc pour moi, les joueurs expérimentés qui représentent 43% de la masse des joueurs, avec les vétérans qui représentent à peine 10%, mais bon, pour moi, je les mets ensemble, hein, tu sais, c'est juste des gens qui sont plus vieux que 28 ans. Donc pour moi, les mecs entre 20 et 28 ans représentent 80-90% de ce graphique-là, en réalité. C'est comme ça que moi, j'ai envie de l'interpréter. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Moi, je ne considère pas quelqu'un de jeune quand il a 20 ans, 21 ans. T'es jeune dans la vie, mais t'es pas jeune sur CSGO. Quand tu vas parler à des mecs de Fortnite, de Rocket League, de Rainbow Six, de plein d'autres jeux, plein de scènes e-sport, mec, t'as 22 ans, t'es fini, tu vois, limite, sur leur jeu. Parce que c'est des jeux où, justement, c'est pas professionnalisé comme sur CS. CS, c'est un très vieux jeu. Et je pense que, c'est ce que j'ai dit au début, plus tu mûris sur le jeu, meilleur tu deviens. Parce que tu t'adaptes, tu as vu ces choses-là, tu paniques plus quand tu vois une situation justement très, très stimulante pour ton cerveau. Et donc forcément, tu t'adaptes plus facilement et tu ressens mieux le jeu. En tout cas, franchement, cette chronique me fait énormément plaisir. J'adore ce graphique, je l'interprète un petit peu à ma manière. J'espère que ça vous titille un petit peu et que je vais avoir vos retours parce que justement, on n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément la même expérience, on n'a pas forcément la même vision des choses à ce sujet. Et j'aimerais vraiment, 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 vraiment vous entendre là-dessus.